27-150 et avec brio puisqu'il il a maintenant presque 4 dixièmes d'avance sur, sur le secteur 1 par rapport à son dernier temps qui était en 27-175 et c'est du 1-22-998, 8 dixièmes d'amélioration pour le français à rien tenté. Mais maintenant qui veulent voir ouais, mais regardez, ils n'auront pas le temps. Pour le deuxième secteur, on l'avait dit depuis le départ, hein, mais pour pas dire seul. Voilà, c'est la 216 sur Derek Poli. Il y en a un qui s'est planté.
départ, on en profite pour c'est l'attention, mon commissaire. On va redescendre donc ce petit appendice double d'ailleurs. Et après ce départ, qui s'inscrit en trois lettres pour aura été vraiment l'instigateur quelque part, le booster de ces carburants bas carbone. C'est vrai que pour reconnaître, donc ils sont passionnés de sport automobile il y a encore quelques années, on n'y pensait même pas à tout ça, et puis voilà, on y est, et puis il faut le faire. C'est un devoir pour tout le monde, pour nos enfants, pour la planète, et pour les dépendances énergétiques également, qui jouent un rôle déterminant, particulièrement malheureusement en ce moment. Absolument, on parlera beaucoup également, évidemment, d'électrique et d'hydrogène, avec du côté du village des nouvelles mobilités, l'hydrogène qui est mis à l'honneur autour d'un espace qui est parrainé par Terrega, un acteur. Quelque peu techniquement, il y a peu, on se posait la question. On commence légèrement plus rapidement à l'époque, et c'est là qu'on va y avoir mal de On ira enchaîner avec différents bruits, différentes sonorités. On va entendre certains types de moteurs qui ne sont pas tout à fait les mêmes entre ces bolides électriques qui, par définition, font quasiment autant bruit, si ce n'est celui pratiquement équivalent à l'effet un boost d'avion. On a entendu tout à l'heure les ETCR, et puis là, ici, ce moteur dont on entend le bruit, qu'on reconnaît que sont les moteurs de F4, on va passer d'un extrême à l'autre. Vous êtes, je l'espère, nombreux et nombreux à tort, déjà nous avons rejoint ici même. Sachez que du côté des réservations, vous allez jouer le jeu de ce retour ici qui est une véritable aventure technologique, aventure également avec de tout nouveaux partenaires dont je salue leur arrivée ici même, mais bien sûr les fidèles, on parle des côtés technologiques, on parle de Terrega par exemple. Mais autour de la numération qu'on va créer, il y a certainement une grosse consortium de partenaires dont les principaux directeurs sont aujourd'hui présents, en particulier du côté du Palais Beaumont, centre de Grand Prix de Pau, parce que non seulement ils sont peut-être sur la piste, mais sachez qu'aujourd'hui, Pau accueille un forum à dimension européenne, avec non seulement des participants ici en salle, mais également en duplex, où on se tourne, où on s'interroge, où on se penche sur ce que seront les nouvelles mobilités de demain, celles évidemment qui seront au cœur du sport automobile, mais pas simplement celles qui seront au cœur de notre quotidien, cette passion du sport automobile. Quotidien. Alors imagine sachez le jour de la course. En ce moment, est au cœur de réflexion sur du côté du centre de Grand Prix de Pau, ce forum européen des nouvelles mobilités, dont les résultats, dont les conclusions seront évidemment partagées au plus haut niveau, non seulement politique, mais également au plus haut niveau économique, avec l'ensemble des constructeurs et partenaires présents du côté de ce forum. C'était Arcourt, d'ailleurs je citais les représentants de Repsol. Et beaucoup d'autres ont fait ici le déplacement. Je salue d'ailleurs l'ensemble des professionnels de l'automobile rassemblés dans la salle du Cap Obilience, qui sont présents du côté du village de notre société, qui sont au cœur du Cap de Ronde également du côté du Palais Beaumont. Voilà donc pour un tour d'horizon rapide. Nous allons nous pencher maintenant sur la partie de ce que Jacques, ce qui va démarrer aujourd'hui, c'est une véritable séance d'essai qualificative. C'est la première du week-end, elle a beaucoup d'importance parce que c'est F4 pour tourner ensuite, à partir de demain, dans le mode de compétition.
Ça va re-arriver. Voilà, c'était un test de start en fait de Yann. C'est la
qui organise les 24 heures du Mans, qui ont eu l'idée, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était aux alentours de l'année 2018, de commencer à se dire qu'ils allaient créer une catégorie qui à la base devait être en 2018. Parce que les voitures vont être aussi performantes que il faut une catégorie parce qu'on nous le disait tout à l'heure très intelligemment du côté de intelligemment du côté de H24, ça va être des autonomies d'environ c'est le même temps qu'une voiture classique pour le championnat, et ça va être donc une véritable prouesse technologique. Nous, Géant, on en profite évidemment pour vous donner et vous délivrer quelques informations, vous qui êtes face à on a le français, hein, le champion du monde en titre, Yann Hirsch, sur la voiture numéro 68. C'est énorme également, on vous laisserait passer. Non, dans les paddocks, c'est impressionnant. Il y a du monde dans les paddocks. Attention à ce garçon, la numéro 11, aux côtés d'Eliott Véron, le 46.
On retrouve ensuite le Suisse, Dario Cabanella, ce 7 au côté de ce qui aurait dû être Yoto Nomura et qui donc sera remplacé par Giunti. Giunti qui était sur le podium ce matin. Enzo Peugeot partira également sur cette ligne-là. On retrouve ensuite Gio Barber au côté de Sauta. Amaro, le pilote japonais, Yu qui a fait une course splendide encore une fois ce matin. Enzo Gerassi, Jérôme Gouverneur, le alors que Mark Reis a dû céder à une position. Ça remonte du côté du pont Oscar avec continue à bien faire son boulot, c'est le plus jeune de ces 24 garçons, 23 aujourd'hui, mais Max Reis, rappelez-nous son âge, 15 ans. 15 ans et c'est le pilote numéro 2 et il ne se fait pas distancer. Il ne s'échappe pas, Romain Andriolo. Regardez, on arrive, il n'y a pas grand monde qui s'échappe d'ailleurs. Tout le monde est bien passé au virage.